Condamné à six ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Libreville, puis par la cour d'appel judiciaire, pour instigation à la violence et voie de fait et pour détention illégale d'armes à feu, l'ancien député de Bollossoville, Amien voul, dans le Haut-Anthème, va recouvrer la liberté le 13 septembre prochain, conformément à une décision de justice. Petite plongée dans ces heures sombres d'août-septembre 2016 autour de Bertrand Zibiabeg contre lequel deux perfides manigans se seraient en construction pour un maintien dans les cellules de apostrophe sans famille. C'est l'histoire d'un homme qui avait démissionné de manière spectaculaire de son mandat de député PDG lors d'une visite d'Ali Bongo Ondimba dans son fief de Bolossoville, quelques semaines avant l'élection présidentielle d'août 2016. Dans une envolée remarquable et bien sentie, il avait dénoncé le manque d'ambition du chef de l'État pour le pays, mais aussi la corruption, la cupidité, la voracité, l'avidité, l'enrichissement illicite heureuse, dont se rendaient coupables, selon lui, les proches du président de la République au détriment de la réussite collective. Aujourd'hui, compte tenu du climat délétère, morose, où on ne parle plus que de mort d'hommes dans notre pays, j'ai décidé aujourd'hui, 23 juillet 2016, en toute âme et conscience, devant Dieu et les hommes, de démissionner du PDG, avait notamment clamé Bertrand Zibiabeg devant Ali Bongo. Au terme de sa prise de parole, il déposa son écharpe de député sur le pupitre. Pour lui, tous ces travers avaient obscurci l'horizon de la République et ralenti le progrès de la nation. Pour les uns, le propos de Bertrand Zibiabeg était une attaque outrancière à l'endroit du chef de l'État et du Parti démocratique gabonais, PDG, tandis que pour d'autres, il s'agissait de la preuve de la vivacité de la démocratie gabonaise. Pour d'autres encore, Bertrand Zibiabeg est celui qui a posé l'acte fondateur de l'insoumission au laisser-aller exprimé par les députés frondeurs du parti au pouvoir. Dès cet instant, il était dans le collimateur, souligne un politologue gabonais. On ne sort pas d'un tel acte sans conséquence. Quelques semaines plus tard, il rejoint Jean Pigne, candidat consensuel de l'opposition. Le coup de foudre, politique, avec l'ancien président de l'Assemblée Générale des Nations Unies a été immédiat non pas parce qu'il avait pour lui une admiration sans limite, mais parce qu'il considérait l'homme, et ses amis avec lui, comme étant, de loin, la meilleure pièce du puzzle pouvant faire partir le président sortant. Éloquent et souvent inspiré, l'ancien député du haut en thème est un redoutable tribun qui, en optant pour Jean Pigne, avait bien pesé tous les termes de l'équation. L'ancien vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères étant celui qui correspondait, selon lui, à la gravité du moment et à l'aspiration des gabonais au renouvellement et au changement. Interpellé dans la nuit du 31 août 2016, et jeté en prison tout juste quelques jours plus tard, Bertrand Zibiabeg aura passé six années à son famille. Son arrestation avait provoqué un ouragan médiatique. Plusieurs médias publient sa photo et demandent la libération de cet homme qui n'a cessé de clamer son innocence. Une partie de l'opinion en avait même fait un abcès de fixation l'épisode restera l'un des temps forts de la contestation de la dernière élection présidentielle pendant son séjour à gros bouquet ainsi qu'il en a parlé au tribunal devant les juges il a subi des atrocités des cruautés des tortures dans ses lettres ouvertes à la représentante permanente de l'union européenne à des ambassadeurs au clergé et au président de la république il a dit ce qu'il vivait dans les geôles peu de réactions de la part des personnalités et institutions saisies en juin dernier, il rendait publique lettre à valeur testimoniale, y révélant notamment ses échanges avec l'émissaire du chef de l'État, le commandant en chef de la garde républicaine, le général Brice Oligingma. Il y évoquait la proposition lui ayant été faite pour le poste du vice-président de la République et n'avait pas hésité à indexer les faucons autour du président qui serait en train de préparer d'autres accusations contre lui. De même, il a avait évoqué la plausibilité de son meurtre pouvant intervenir avant sa sortie de prison. On ose croire de ce fait qu'aucune autorité, aucun activiste zélé du pouvoir n'en vienne à entraver sa sortie de prison, l'homme ayant purgé la peine qui lui a été infligée. Considéré par l'opinion comme le plus célèbre prisonnier politique du Gabon, Bertrand Zibiabeg, va donc de nouveau respirer l'air de la liberté. Pour lui, L'un des plus grands soutiens de Jean Ping en 2016, une page de l'histoire politique du pays va ainsi être tournée. Peut-être qu'une autre s'ouvrira, au lendemain du 13 septembre, jour de sa mise en liberté?